Bonjour, je suis Marjorie Roque, enseignante à l'école de mode du Cégep Marie-Victorin. En fait, l'école de mode, c'est le regroupement de trois programmes: commercialisation de la mode, design de mode et gestion de la production. Tout ça au même endroit. Je vais te faire découvrir le programme de design de mode. Donc, on a un pavillon dédié au design de mode. On y retrouve des locaux spécialisés comme des locaux pour le dessin manuel avec des tables à dessin, des ateliers multidisciplinaires avec des mannequins, des machines à coudre, des tables de coupe. On a aussi une classe dédiée à l'étude des textiles. Donc, il n'y a rien comme de toucher, de manipuler le tissu pour faire des bons choix. On a aussi des laboratoires informatiques équipés avec les logiciels à la fine pointe de la technologie. Je fais référence ici, par exemple, au logiciel de Lectra, à toute la suite Adobe. En fait, on a des locaux qui sont bien pensés, qui sont bien aménagés, tout à fait adaptés pour l'apprentissage du design de mode. Et si tu te demandes, mais est-ce que j'aurai besoin de tous ces équipements à la maison? Bien sûr que non. Il y a des heures d'atelier libre qui vont te permettre d'avoir accès à tous ces équipements, à tous les logiciels, et il y a des heures d'atelier libre de jour et de soir. Ce qui est bien pratique en plus, c'est qu'on a une coop mode sur place. Alors, pas besoin de se déplacer pour aller acheter une simple bobine de fil. Le matériel spécialisé pour tous les cours est disponible sur place. Le département a son propre salon. Alors, le salon mode, c'est le lieu où les étudiants se rencontrent. C'est un lieu où les étudiants vont aller à la pause entre les cours pour dîner. C'est un lieu qui est très animé et c'est un lieu aussi qui est très polyvalent, qu'on peut transformer pour accueillir des conférenciers ou des événements. Comme tous les locaux propres au design de mode sont au même endroit, ben ça crée naturellement un sentiment là, d'appartenance. Le design de mode, c'est une discipline où les cours sont d'abord et avant tout pratiques. La mode, on veut la faire, on veut la créer et on apprend dans l'action avec des projets concrets. Le programme s'articule autour de trois grandes disciplines: le dessin, le patron, la confection. Et ces cours reviennent à chaque session durant les trois années. En premier lieu, toutes ces idées de vêtements qui émergent dans ta tête, c'est dans le cours de dessin que tu pourras les mettre sur papier. Donc, en dessin, on fait de la recherche, on s'inspire, on fait plein d'esquisses. Les meilleures idées, donc le concept final, va être rendu à l'ordinateur. Tu vas explorer la mode féminine et la mode masculine. Et pour enrichir tes idées, ben tu auras accès à un site de tendance auquel le Cégep est abonné. Un site pour les créateurs qui prédit les tendances à l'avance. Donc, c'est une mine d'or d'informations. C'est très, très inspirant. Après le dessin, vient l'étape du développement de patron, donc le cours dans lequel tu devras réaliser le patron de ton modèle. Tu auras des cours de développement de patron manuel et des cours de développement de patron à l'ordinateur. Vient ensuite l'étape plus concrète de l'essayage du modèle. Alors, le patron est taillé dans une toile de coton jaune, ce qui est un tissu moins dispendieux, et on vérifie le tombé, les proportions ou s'il y a des erreurs d'ajustement. Quand tout est corrigé, le modèle est prêt pour la confection. C'est la dernière étape, le moment où on coud le vrai vêtement. Alors, chaque étudiant a accès à une machine à coudre industrielle. Les ateliers de confection sont équipés avec des fers industriels, avec des surjeteuses industrielles. Il y a aussi un local de machinerie spécialisée pour toutes les finitions particulières. En fait, l'organisation des cours reproduit les mêmes étapes de réalisation d'un vêtement qu'on retrouve en industrie. D'un cours à l'autre, tu restes avec les mêmes collègues. Donc, c'est formidable pour créer des liens forts. Les étudiants disent avoir le sentiment de faire partie d'une grande famille. Alors, le groupe vit les mêmes défis, s'entraide, se motive et partage les mêmes expériences en même temps. En troisième année, il est possible de choisir l'option fourrure. Donc, l'école de mode du Cégep Marie-Victorin est la seule école de fourrure en Amérique du Nord. Tu dois savoir qu'on explore ici l'utilisation créative de la fourrure recyclée. Évidemment, le tout dans le respect du code établi pour une utilisation éthique de la fourrure. En première année, il y a beaucoup de techniques de base à apprendre. Donc, tu travailles souvent à partir de modèles imposés. Mais plus tu avances dans la formation, bien plus tu travailles à partir de tes idées personnelles. Et en troisième année, tu travailles exclusivement sur des projets personnels. Alors,
tu vas même élaborer une mini-collection. C'est en troisième année que tu devras faire un stage. Alors, on a un bassin de milieux de stage très variés. Tu auras la chance de choisir un milieu de stage qui t'intéresse et expérimenter ton métier sur le terrain. Il y a aussi possibilité de stage à l'étranger. Les enseignants en design de mode sont des passionnés de mode qui ont des expertises très diversifiées. Les enseignants sont faciles d'accès. Ils donnent toujours de la disponibilité, soit dans les locaux, soit dans leur bureau. Un étudiant qui souhaite réussir va trouver au département un encadrement, un accompagnement qui distingue particulièrement l'école de mode. En plus des enseignants dévoués, on a plusieurs mesures d'aide à la réussite pour les étudiants en difficulté. Donc, on a un centre d'aide, le DIAR, et des ateliers de mentorat. Étudier en design de mode à Marie-Victorin, c'est aussi avoir la chance de participer à des événements comme Fashion Preview, Festival Mode et Design, des concours nationaux, internationaux et bien entendu, le défilé des finissants en design de mode, qui est un événement d'envergure supporté par une équipe de spécialistes. C'est l'événement qui te donne la chance de montrer ton talent, tes créations et tout ça dans le cadre d'un événement de niveau professionnel. Alors, si tu es intéressé d'en savoir plus, rends-toi sur la page Facebook de l'École de mode, Mode Marie-Victorin en un seul mot.